Salam alaikum, monsieur Sandwich. Ça va, tu vas bien? J'ai parlé avec ma fille au téléphone, elle a parlé de l'histoire de la souris dans le sandwich. J'ai pas compris, s'il te plaît, sandwich, tu peux nous se voir, s'il te plaît. J'ai mon fils, il m'a parlé un peu, mais c'est bizarre, il aime pas sandwich. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Y a pas de soucis, y a pas de soucis. Ouais, je l'avais vu, elle m'a dit. Y a pas de soucis, y a pas de soucis. Dites-moi si vous êtes disponible aujourd'hui même, quand vous êtes disponible. Et mon prénom, c'est Sandwich, pas Sandwich. Merci, excuse-moi, sandwich, excuse-moi. Je suis disponible aujourd'hui. Il y a mon fils, il est au sandwicherie. Si tu veux venir aujourd'hui tout de suite ou tout à l'heure, ou c'est quand tu veux, je fais un thé et on boit, t'inquiète pas. Par contre, il y a un truc avec mon prénom, je crois que les gens ont un problème. À quel moment je m'appelle Sandwich? Appelez-moi Sandwich, c'est un B. Wesh. Bon, là, je suis pas fâché contre vous, mais vas-y, frère. Tout le monde m'appelle Sandwich, ma gueule. Sandwich, pique-nique, mets de la maillot. Et puis quoi encore, frère? Arrête de m'appeler Sandwich, appelez-moi Sandwich déjà. Frère, s'il vous plaît, mon prénom, respectez mon blaze. Respectez, wesh, respectez ma gueule. Vous me connaissez, moi je suis un fou. On va aller. Mais moi, le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que son père, il veut beaucoup me proposer du thé à boire. Je sais pas si il va mettre quelque chose dans son thé. Là, je dis ça, mais parce que je suis matrixé aussi. Mais pourquoi le daron, il me dit « Ouais, mon fils, on va boire du thé autour d'un plat. » Bon, peut-être c'est parce qu'il veut bien accueillir et il veut que l'histoire s'arrange. Mais bon, j'ai le bénéfice du doute. En tout cas, le thé, je ne toucherai pas. Je ne toucherai pas au thé. Ça, c'est sûr. Pour qu'après, dans 2 heures, je finis comme ceux qui ont bu l'eau de la Seine, là. Ils font que de vomir, là. Non, merci. Ah non. Ah non. La paix. Allô. Allô. Oui. Oui, c'est Sambiche. Hein? C'est moi qui vous m'avez dit de venir. C'est qui? Vous m'avez dit de venir pour parler. Sandwich? Ouais, c'est moi, Sandwich. Ah, ben j'arrive tout de suite, Sandwich, j'arrive. Ah, tout de suite. Ah, okay. Bref, je vais tout vous snapper et rester branché. Et je vais pas boire le thé. Je ne boirai pas son thé. En aucun cas. Il va pas m'avoir. Vous avez entendu, le papa il va venir, voilà. Je sais pas, je suis où, je suis dans une cité là, et ça me rappelle la cité de mon zinc. Voilà, ça me rappelle la cité de mon zinc. Oh, ça m'a écouté. Oui, ça va? Ça va, Sandwich? Tranquillement. Merci d'être venu. Non, demain, on est là. Désolé pour mon fils. Non, c'est bien, tranquille, au calme. On monte pour un thé. Non, c'est bon, moi j'étais venu juste pour parler avec vous rapide. Alors, on va monter un petit un thé. Non, c'est bon. S'il te plaît, il y a un ascenseur chaud. Oh. Allez, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Mais je vous jure, c'était pas obligé. Non, s'il te plaît. Non, moi j'étais juste venu tranquille. Hey, je suis plié. Et voilà, c'est des gros bâtards. Voilà le monde des méchants. Un bon petit thé là. C'est Sandwich, Sandwich. Biche, c'est pas Twitch, c'est Biche. Sandwich. Sandwich, excuse-moi. Ah, Tonton, il dit Sandwich encore. Un bon petit sandwich. Non, merci beaucoup, merci beaucoup. Non. Un petit thé. Ouais. C'est bon pour la santé, elle dit. Je sais que c'est bon pour la santé. Mais je préfère le coca. Du loge, les petits gâteaux, du Gelga, ça c'est bon. Non, moi je veux du coca, s'il vous plaît. Non, le coca c'est pour les enfants, ça c'est. En plus, on n'a plus assez. Ah. Je vais le mettre dans le frigo, la chauffer. Ok. Merci, hein. Le thé, hein. Ouais, le thé. Ok, merci. Je me suis mis dans quoi là, les gars? Pour moi. Ah, c'est bon, je vous jure, tenez le thé, tenez, cadeau, je vous le redonne. Tenez. Le thé? Ouais, c'est bon. Non. Si, merci. Merci. Non, tu refuses le thé? Merci. Comme vous dites, marhaba, c'est quoi? Marhaba bikoum. Marhaba bibikoum. Marhaba bikoum. Marhaba bibikoum. Non, marhaba bikoum. Marhaba bibikoum. Marhaba bikoum. Ah, marhaba bikoum. Voilà. Ok. Ah!
problème, mais comme ça là, jamais de la vie. Il y avait une souris dans le grec, je vous jure. Je vous jure, tonton, il y avait une souris dans le grec. C'est ce qu'elle m'a dit, ma fille. Votre fille, elle vous a dit. Salam, papa. Salam, alaikum. Salam, papa. Oul, salam, alaikum, avant. Salam. C'est qui fait quoi, là? Alash, haram. Salam, salam, allez. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est ton père qui m'a dit de venir. Salam, allez. Ah, chacha, allez. Toi. خليت لك المحل هكا وتياتي غادي نهضروا بلاتي معليش علاش قلتي لي يدخل الدار كوي لي لا دون لوتر لي لا يبا ديسكوتي باسكو تي فو لا ميرد مي جيت ان تران دو ريغلي ليستوار بابا تي فو لا ميرد بريف تي فو كوا. C'est ton père qui m'a dit de venir, moi je suis venu le voir. Là, c'est pas lui, c'est pas toi qui va lui mettre la claque, c'est moi je vais te la mettre, y'a l'ahmar. Mais papa. Moi je suis venu pour trouver un arrangement. D'accord. Là, mon pote, il est pas là, il est avec son fils. Mais papa, lui, mais il veut mettre l'adresse, il veut envoyer l'adresse sur ses réseaux. C'est un influenceur, papa. Non. Attends, je discute avec lui. Laisse-moi discuter. En fait, si il n'y a pas d'arrangement, le plus mieux, c'est que voilà, il va mettre l'adresse pour pas qu'il y ait d'autres personnes qui vont chez vous et qui mangent. Et d'ailleurs, il a encore les clés de ma voiture, papa. Et non, les clés de la voiture, c'est pas moi, ça, c'est Bissot qui les a. Je connais. Écoute. Dès que l'arrangement est trouvé, tes clés sont rendues. Sandwich. Sans biche. Là-bas, on parle plus avec lui. Là, c'est moi, toi et ton ami. Ouais, Bissot. Ok. Bissot, c'est nous trois. Maintenant, je vais te donner une proposition. Une proposition. Venez manger tous les jours, gratuit. Où? À la sandwicherie. Je vais dire ça à mon ami alors. C'est une offre généreuse. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de souris. Et je me porte garant. C'est moi qui reprends le là-bas. C'est fini. Mais papa, dis-lui de poser son téléphone. Non, en fait, j'ai fini pour envoyer à mon gars. Vous pouvez parler, il vous entend. Et ils vont, c'est grâce à eux qu'on va avancer à cause de toi, Yalhamar. Si vous avez un truc à dire, bah, au pire, attendez, je l'appelle tout de suite, comme ça, vous parlez avec lui. Désolé. Mais désolé, tu lui dis, mais désolé. Okay. Je vais parler avec lui, j'ai honte. J'ai honte, désolé. Tu lui dis, désolé, s'il te plaît, mon fils. Non, moi, si ça tient qu'à moi, ça tient pas qu'à moi, je suis pas seul. C'est qui? Tu peux l'appeler. Il regarde les stories. Mon fils. Il m'entend? Mon fils, Bisson. Bissam. Non, Bissot. Mon fils, s'il te plaît. Si tu peux oublier l'histoire, rends-le. S'il vous plaît. Pas de soucis. Donc c'est ça l'arrangement que vous proposez? On n'a rien. Non, moi non. Oui, moi j'ai jamais dit que vous avez quelque chose. Je t'ai proposé le thé, tu veux pas? Non. Vous mélangez tout, vous aussi. Je vous jure, c'est parce que j'ai trop bu. C'est pour ça que j'aurais bu sinon. S'il vous plaît. Non, je lui dirai. De toute façon, il va voir les stories. Je lui dirai. Frère. S'il vous plaît. On est ensemble. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, vas-y, moi, je vais vous laisser. T'entends, avec tes semaines. Attends, et qui sort déjà de la. C'est bon, vous avez parlé. C'est bon, ça y est, j'ai parlé de ça. Sors d'ici. Comment ça sort d'ici? Là-bas. Moi, tu parles mal. Parce que j'aimerais. Qu'est-ce que tu fais de mon salon? Mais ton père, il m'a invité. On en reparlera. Vous voyez? C'est pas des menaces, papa. C'est pas des menaces. Là, tu veux que je balance l'adresse? Non, c'est pas des menaces. Ah, c'est du moins si tu veux que je balance l'adresse. Hein. Ouais, pas de soucis. Ton père, il est là. Tout le monde est là. Moi, je peux balancer l'adresse. Hein. C'est rapide. Non. Sandwich. Sans biche. Je gère tout. Ok. Moi, je vais. De mon côté, je vais dire à l'autre côté. Et vous. On va voir comment ça va être. Et je vais dire à ma fille de t'appeler. Pour tout. Ok. Y a pas de soucis. Moi, je parle avec elle. C'est mieux que. Lui, c'est moi qui. Il fait trop malin, lui. Il s'occupe. Ok, d'accord, tonton. Hamar. En tout cas, merci beaucoup. Y a pas de soucis. Merci, tonton. Ça fait plaisir, vraiment. Bien.
Prends juste des gâteaux. Non, c'est bon, je vous jure, c'est bon. Cool. Je vous jure. Voilà, c'est très bon les gâteaux. C'est quoi ça? Ça, c'est le gâteau de la blague. Ok. Non, merci beaucoup. J'en prends un, juste un. Non, Angel Blake, papier d'aluminium, Delta. Non, je comprends pas Angel Blake, je sais pas, mais c'est bon, merci beaucoup. Je te ramène le papier. Non, c'est bon. Vous fatiguez pas, tonton. Sûrement, je regarde Woldé là-bas. Il est bien, Woldé là-bas. Ouais, merci, c'est bon, tout va bien. Ok. Merci en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Bah, vous êtes hyper gentil. Là, y'a pas de soucis. Allez, à la prochaine. On oublie, hein. Moi, je vais parler avec l'autre. Si l'autre, voilà, je lui dirai. De toute façon, il va parler, c'est tout. Woldé, qu'il y en a bien, hein. Inch'Allah. Merci. Ça va. Bon, là je rentre à la maison, j'ai quoi? J'ai le gâteau entre les mains. Hé, l'ascenseur il fait des bruits bizarres. Bon, vous en pensez quoi? Et moi je comprends rien, le daron il a dit il veut s'arranger, en mode il mange gratuit, mais je comprends rien, mais puis ça va pas accepter ça. Il va pas accepter ça, impossible. Hé, je suis plié. Et voilà, c'est des gros bâtards. Voilà le mot des méchants. Alors là, je sais pas c'est quoi la suite, je vous ai invité, mais vous en pensez quoi? Qu'est-ce que je dois dire là? Bisous, si tu vois les snaps, frérot, le daron il a proposé un arrangement, mais je pense pas que ça va. C'est impossible, Bisous va accepter, les gars. Que Bisous et son fils ils mangent tous les jours gratuit là-bas. Non, le daron il est en pierre. On verra bien. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous tiens au courant de la suite des événements. Là, c'est une histoire de fou, là, je vous jure. Salut mes oiseaux, j'espère que vous allez bien dans ce monde de chiens et de chiennes. Et si on vit dans un monde de chiens, ne vaut-il pas mieux être le chien le plus méchant? Est-ce que vous avez regardé la story à Sambiche? Le père du propriétaire du grec dit qu'il veut qu'on vienne manger gratuitement. Ça va ou quoi, Maïdi? Tiens, viens le sens, ça te dit quoi, les frères? Le père du propriétaire du grec nous dit qu'il veut que je vienne manger gratuitement. Dans le grec, c'est une blague ou je rêve? Peut-être c'est une blague, les gars, je sais pas. Donc du coup, j'attrape une souris dans le grec et aujourd'hui je dois aller revenir manger au grec ou... Mais les gars, c'est une mascarade, je vois pas, j'ai pas les mots, en fait je sais même pas quoi faire, je sais même pas quoi dire, ça devient de la pitié ou de la peine. Les gars, faut vraiment que vous me dites ce que je devrais faire, en fait je sais pas quoi faire, j'en perds les mots, je sais même pas quoi dire, je sais même pas comment je vais m'exprimer, je sais pas si je dois être en colère ou si je devrais être je sais pas, parce qu'en fait cette histoire, ça commence à devenir un peu un foutage de gueule. Ou je sais pas si ça devient quoi. Un jeu. Je sais pas si il réalise la gravité de ce qui s'est passé hier. Mais c'est une dinguerie, mes dogs. Je vous mens pas. Je sais pas quoi faire. En fait, le daron, il fait de la peine. Et en plus de ça, il était archi accueillant avec Sambiche. Je sais vraiment pas quoi faire. Et ça se voit que le daron, il est pas mauvais. Ça se voit que c'est le fils qui est mauvais. Et c'est souvent ça, en fait. Je sais, en fait, comment il a accueilli Sambiche, je sais pas si c'est pour les... C'est, je sais pas si c'est quand les gens, ils sont... Comment dirais-je? Ils sont en danger, qui se comportent bien avec les gens. Ou si c'est comme ça naturellement. Mais on dirait il y avait de la bienveillance. Je vous mens pas, il a accueilli dans son salon, Djellaba, tout ça. Hey, franchement, les gars, je sais même pas quoi faire. Je vous dis la vérité.